Le procédé de photographie interférentielle a été créé par Gabriel Lippmann, qui l'a présenté en 1891 sous le nom de photochromie interférentielle et pour lequel il a reçu le prix Nobel de physique en 1908. Ce procédé ne repose pas sur la trichromie, mais sur les interférences créées par les ondes lumineuses incidentes et réfléchies. Il est donc le seul à mémoriser l'intégralité des longueurs d'onde et non leur simple projection trichrome qui se nomme couleur et qui apparaît confondue à nos yeux. Pour obtenir ce résultat, Lippmann plaça une couche de mercure directement en contact avec une émulsion photosensible au grain extrêmement fin pendant la prise de vue. La lumière entrant par l'objectif se reflète à la surface du mercure, créant une onde stationnaire dans la couche photosensible. La couche photosensible enregistre alors les minima et les maxima de cette onde stationnaire correspondant aux différentes longueurs d'onde de l'image, permettant ainsi de reproduire l'ensemble du spectre lumineux sans l'aide de la synthèse trichrome. On perce deux trous circulaires dans une plaque opaque. Les trous sont distants d'une longueur A. Un faisceau laser monochromatique de longueur d'onde lambda est dirigé normalement au plan de la plaque. On place un écran blanc derrière la plaque à une distance D de celle-ci. Sur l'écran, on obtient une figure de diffraction sous la forme d'un disque comme observé dans la fiche diffraction. Par contre, la nouveauté est l'apparition d'une alternance de franges sombres et brillantes. Elles sont selon un axe perpendiculaire à S1, S2. Ce sont des franges d'interférence. La distance entre deux franges brillantes consécutives est constante. Cette distance I est nommée interfrange. Cette manipulation vient de nous montrer le phénomène d'interférence d'ondes lumineuses. L'expérience est nommée expérience des trous de Young, en référence à Thomas Young, qui découvrit le phénomène en 1803. Le phénomène d'interférence ne se manifeste pas seulement avec des ondes lumineuses, mais concerne d'autres types d'ondes, comme les ondes acoustiques, par exemple. Pour la suite, nous raisonnerons avec le schéma ci-dessous. Les ondes issues de la source se propagent jusqu'aux deux trous. Au niveau de chacun d'eux, l'onde passant à travers est diffractée. Pour la partie du schéma à droite de la plaque, les trous S1 et S2 se comportent comme deux sources ponctuelles identiques. La source étant équidistante des trous, S1 et S2 émettent en phase. Ils ont le même état vibratoire à tout instant. En haut, les ondes issues des deux trous sont aussi en phase car les distances S1O et S2O sont égales. En ce point, la sommation des deux ondes conduit à une onde d'amplitude deux fois plus forte que celle des deux ondes. On parle d'interférence constructive. Pour une onde lumineuse, cela se manifeste par une frange brillante. En se décalant sur l'écran d'une longueur X par rapport à O, parallèlement à l'axe S1-S2, les distances S1M et S2M sont différentes. La différence de marche S en M est la différence entre les distances parcourues par les deux ondes. En M, les ondes peuvent présenter un déphasage entre elles. Leur sommation donne divers résultats selon la valeur de S ou delta. Deux configurations particulières. Si delta est égal à k moins lambda, où k est un entier relatif, sigma ou delta pardon, est un multiple de la longueur d'onde lambda, les ondes sont en phase. On a des interférences constructives, comme en haut, donc des franges brillantes. Si delta est égal à k plus 1,5 moins lambda. Par exemple, si delta est égal à 2,5 moins lambda. Les deux ondes sont en opposition de phase. L'onde résultante est d'amplitude nulle. Les interférences sont destructives. Cela correspond aux franges sombres. Remarque. Les expériences décrites sont effectuées dans l'air. Dans un autre milieu, il faudrait prendre en compte son indice optique dans le calcul de delta. Deux sources quelconques, lumineuses ou acoustiques, peuvent-elles toujours donner lieu à des interférences? Non, car elles doivent satisfaire deux conditions. Avoir même fréquence, on dit alors que les sources sont synchrones, être cohérentes, c'est-à-dire avoir un déphasage constant entre elles à tout moment en un point donné. Par exemple, deux émetteurs ultrasonores connectés au même générateur basse fréquence peuvent être qualifiés de sources cohérentes.
la condition de cohérence n'est pas évidente pour les ondes lumineuses. En effet, les sources lumineuses classiques n'émettent pas l'onde électromagnétique en continu, mais sous la forme de trains d'ondes, ondes générées pendant un laps de temps très court, dont la phase varie d'un train d'onde à l'autre. Ils correspondent d'ailleurs aux photons. Ils correspondent d'ailleurs aux photons, voire fiche dualité onde-corpuscule. Deux sources lumineuses, comme des phares de voiture ou deux points distincts d'une source lumineuse étendue, sont incohérents. Cela se manifeste par deux ondes dont le déphasage entre elles est aléatoire. Quand les ondes lumineuses traversent une fine lame d'un matériau transparent, elles sont déphasées par les rebonds multiples et peuvent engendrer des interférences. La différence de marche est liée à l'épaisseur de la lame. Une application de ce phénomène est de pouvoir mesurer de faibles épaisseurs ou de faibles variations d'épaisseur. En lumière polychromatique, chaque radiation donne son propre système d'interférence, car l'interfrange est lié à la longueur d'onde de la radiation. En lumière blanche, cela conduit à une irisation de la figure d'interférence, apparition de diverses couleurs, dites couleurs interférentielles. Le phénomène est observé avec des bulles de savon ou avec un film d'huile sur une flaque d'eau. Une application pratique est la photoélasticimétrie, ou la combinaison des interférences avec un autre phénomène physique permet de visualiser les efforts mécaniques subis par une pièce sous la forme d'un dégradé de couleur. L'astrophysique utilise l'interférométrie d'ondes électromagnétiques visibles dans le domaine radio. D'autre part, les projets LIGO américain et Virgo franco-italien sont deux interféromètres géants dont le but est de détecter des ondes gravitationnelles prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Mais sur les interférences créées par les ondes lumineuses incidentes et réfléchies. Il est donc le seul à mémoriser l'intégralité des longueurs d'onde et non leur simple projection trichrome qui se nomme couleur et qui apparaît confondue à nos yeux. Pour obtenir ce résultat, Lippmann plaça une couche de mercure directement en contact avec une émulsion photosensible au grain extrêmement fin pendant la prise de vue. La lumière entrant par l'objectif se reflète à la surface du mercure, créant une onde stationnaire dans la couche photosensible. La couche photosensible enregistre alors les minima et les maxima de cette onde stationnaire, correspondant à différentes longueurs d'onde de l'image, permettant ainsi de reproduire l'ensemble du spectre lumineux sans l'aide de la synthèse trichrome. On perce deux trous circulaires dans une plaque opaque. Les trous sont distants d'une longueur fin. Un faisceau laser monochromatique. On perce deux trous circulaires dans une plaque opaque. Les trous sont distants de longueur A. Un faisceau laser monochromatique de longueur blanche est dirigé normalement au plan de la plaque. On place un écran blanc derrière la plaque, à une distance D de celle-ci. Sur l'écran, on obtient une figure de diffraction sous la forme d'un disque, comme observé dans la fiche diffraction. Par contre, la nouveauté est l'apparition d'une alternance de franges sombres et brillantes. Elles sont, selon un axe perpendiculaire à S1, S2. Ce sont des franges d'interférence. La distance entre deux franges brillantes consécutives est constante. Cette distance I est nommée interfrange. Cette manipulation vient de nous montrer le phénomène d'interférence. L'expérience est nommée expérience des trous de Young, en référence à Thomas Young, qui découvrit le phénomène en 1803. Le phénomène d'interface ne se manifeste pas seulement avec les ondes lumineuses, mais concerne d'autres types d'ondes, comme les ondes acoustiques. Pour la suite, nous raisonnerons avec le schéma ci-dessous. Les ondes issues de la source se propagent jusqu'aux deux trous. Au niveau de chacun d'eux, l'onde passant à travers est diffractée.
Sur la partie du schéma droite de la plaque, les trous S1 et S2 se comportent comme deux sources ponctuelles identiques. La source étant équidistante des trous S1 et S2 émettent en phase. Ils ont le même état vibratoire à phase. Les ondes issues de la source se propagent jusqu'aux deux trous. Au niveau de chacun d'eux, l'onde passant à travers est diffractée. Pour la partie du schéma à droite de la plaque, les trous S1 et S2 se comportent comme deux sources ponctuelles identiques. La source étant équidistante des trous S1 et S2 émet en phase. Ils ont le même état vibratoire à tout instant. En haut, les ondes issues des deux trous sont aussi en phase, car les distances S1 haut et S2 haut sont égales. En ce point, la sommation des deux ondes conduit à une onde d'amplitude deux fois plus forte que celle des deux ondes. On parle d'interférence constructive. Pour une onde lumineuse, cela se manifeste par une frange brillante. En se décalant sur l'écran d'une longueur X par rapport à O, parallèlement à l'axe S1-S2, les distances S1M et SM, S2M, sont différentes. La différence de marche en M est la différence entre les distances parcourues par les deux ondes. Deux sources quelconques, lumineuses ou acoustiques, peuvent-elles toujours donner lieu à des interférences ? Non, car elles doivent satisfaire deux conditions. Avoir même fréquence, on dit alors que les sources sont synchrones. Être cohérente, c'est-à-dire avoir un déphasage constant entre elles à tout instant, en un point donné. Par exemple, deux émetteurs ultrasonores connectés au même générateur basse fréquence peuvent être qualifiés de sources cohérentes. La condition de cohérence n'est pas évidente pour les ondes lumineuses. En effet, les sources lumineuses classiques n'émettent pas l'onde électromagnétique en continu, mais sous la forme de trains d'ondes, ondes générées pendant un laps de temps très court, dont la phase varie d'un train d'onde à l'autre. Ils correspondent d'ailleurs aux photons. Deux sources lumineuses, comme des phares de voiture aux deux points distincts d'une source lumineuse étendue, sont incohérentes. Cela se manifeste par deux ondes dont le déphasage entre elles est aléatoire. Quand des ondes lumineuses traversent une fine lame d'un matériau transparent, elles sont déphasées par les rebonds multiples et peuvent engendrer des interférences. La différence de marche est liée à l'épaisseur de l'onde. Une application de ce phénomène est de pouvoir mesurer de faibles épaisseurs ou de faibles variations d'épaisseur. Le phénomène est observé avec des bulles de savon ou avec un film d'huile sur une flaque d'eau. Une application pratique est la photoélasticimétrie, où la combinaison des interfaces avec un autre phénomène physique permet de visualiser les efforts mécaniques subis par une pièce sous la forme d'un dégradé de couleur. L'astrophysique utilise l'interférométrie d'ondes électromagnétiques ou dans le domaine radio. D'autre part, les projets LIGO américain et Virgo franco-italien sont deux interféromètres géants dont le but est de détecter des ondes gravitationnelles prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Le procédé de photographie interférentielle a été créé par Gabriel Lippmann, qui l'a présenté en 1891 sous le nom de photochromie interférentielle et pour lequel il a reçu le prix Nobel de physique en 1908. Ce procédé ne repose pas sur la trichromie, mais sur les interférences créées par les ondes lumineuses incidentes et réfléchies. Il est donc le seul à mémoriser l'intégralité des longueurs d'onde et non leur simple projection trichrome, qui se nomme couleur et qui apparaît confondu à nos yeux. Pour obtenir ce résultat, Lippmann plaça une couche de mercure directement en contact avec une émulsion photosensible au grain extrêmement fin pendant la prise de vue. La lumière entrant par l'objectif se reflète à la surface du mercure, créant une onde stationnaire dans la couche photosensible.
La couche photosensible enregistre alors les minima et les maxima de cette onde stationnaire, correspondant aux différentes longueurs d'onde de l'image, permettant ainsi de reproduire l'ensemble du spectre lumineux sans l'aide de la synthèse trichrome. On perce deux trous circulaires dans une plaque opaque. Les trous sont distants d'une longueur A, un faisceau laser et une chromatique de une figure de diffraction sous la forme d'un disque, comme observé dans la fiche diffraction. Par contre, la nouveauté est l'apparition d'une alternance de franges sombres et brillantes. Elles sont selon un axe perpendiculaire, ce sont des franges d'interférence. La distance entre deux franges brillantes consécutives est constante. Cette distance I est nommée interfrange. Cette manipulation vient de nous montrer le phénomène d'interférence d'onde lumineuse. L'expérience est nommée expérience des trous de Young en référence à Thomas Young, qui découvrit le phénomène en 1903. Le phénomène d'interférence ne se manifeste pas seulement avec les ondes lumineuses, mais concerne d'autres types d'ondes, comme les ondes acoustiques par exemple. Pour la suite, nous raisonnerons avec le schéma ci-dessous. Les ondes issues de la source se propagent jusqu'aux deux trous. Au niveau de chacun d'eux, l'onde passant à travers est diffractée. Pour la partie du schéma à droite de la plaque, les trous S1 et S2 se comportent comme deux sources ponctuelles identiques, la source étant équidistante des trous S1 et S2 et mettent en phase. Ils ont le même état vibratoire à tout instant. En haut, les ondes issues des deux trous sont aussi en phase car les distances S1O et S2O sont égales. En ce point, la sommation des deux ondes conduit à une onde d'amplitude deux fois plus forte que celle des deux ondes. On parle d'interférence constructive. Pour une onde lumineuse, cela se manifeste par une frange brillante. En se décalant sur l'écran d'une longueur X par rapport à O, parallèlement à l'axe S1-S2, les distances S1M et S2M sont différentes. La différence de marche en mètres est la différence entre les distances parcourues par les deux ondes. En M, les ondes peuvent présenter un déphasage entre elles. Leur sommation donne divers résultats, selon la valeur de deux configurations particulières. Si U égale K, où K est un entier relatif, U est un multiple de la longueur d'onde. Les ondes sont en phase, on a des interférences constructives, comme en O, donc des franges brillantes. Les deux ondes sont en opposition de phase. L'onde résultante est d'amplitude nulle. Les interférences sont destructives. Cela correspond aux franges sombres. Les expériences décrites sont effectuées dans l'air. Dans un autre milieu, il faudrait prendre en compte son indice optique pour le calcul. Deux sources quelconques, lumineuses ou acoustiques, peuvent-elles toujours donner lieu à des interférences? Non, car elles doivent satisfaire deux conditions. Avoir la même fréquence, on dit alors que les sources sont synchrones. Être cohérentes, c'est-à-dire avoir un dépassage constant, entre elles, à tout instant, au même point de vue. Par exemple, deux émetteurs ultrasonores connectés au même générateur de basse fréquence peuvent être qualifiés de sources cohérentes. La condition de cohérence n'est pas évidente pour les ondes lumineuses. En effet, les sources lumineuses classiques ne mettent pas l'onde électromagnétique en continu, mais sous la forme de trains d'ondes, ondes générées pendant un laps de temps très court, dont la phase varie d'un train d'onde à l'autre. Ils correspondent d'ailleurs aux photons. Deux sources lumineuses, comme des phares de voiture, deux points distincts d'une source lumineuse étendue, sont incohérentes. Cela se manifeste par deux ondes où le déphasage entre elles est aléatoire. Quand des ondes lumineuses traversent une fine lame d'un matériau transparent, elles sont déphasées par les rebonds multiples et peuvent engendrer des interférences. La différence de marche est liée à l'épaisseur de la lame. Une application de ce phénomène est de pouvoir mesurer de faibles épaisseurs ou de faibles variations d'épaisseur. En lumière polychromatique, chaque radiation donne son propre système d'interférence, car l'interfrange est liée à la longueur d'onde de la radiation. En lumière blanche, cela conduit à une irisation de la figure d'interférence, apparition de diverses couleurs, dites couleurs interférentielles. Le phénomène est observé avec des bulles de savon ou avec un film d'huile sur une flaque d'eau. Une application pratique est la photoélasticimétrie, où la combinaison des interférences avec un autre phénomène physique permet de visualiser les efforts mécaniques subis par une pièce
sous la forme d'un dégradé de couleur. L'astrophysique utilise l'interférométrie d'ondes électromagnétiques visibles ou dans le domaine radio. D'autre part, les projets LIGO américain et WIRGO franco-italien sont deux interféromètres géants dont le but est de détecter des ondes gravitationnelles prédites par la théorie de la relativité d'Einstein.